Péronie la chevalière, c'est chez Albin Michel Jeunesse. Alors là, c'est en format poche, mais il existe en grand, si tu veux. Mais celui-là, il coûte que 5,50 € en même temps. Il était une fois Péronie, une petite fille, très forte, très belle et très intelligente. Elle était chevalière. Elle se battait contre les méchants, c'était son travail. Déjà, merci. Alors cette petite Péronie s'en va dans un royaume pour pourfendre les méchants et l'antipoque elle tombe amoureuse du prince qui joue de la mandoline, ce qui est quand même assez classe, avouons-le. La reine, la maman du prince, lui dit « Oui, mais alors donc on n'épouse pas mon fils comme ça non plus, faut pas rêver, il y a des épreuves. » Alors première épreuve, zigouiller un dragon. Et là, Péronie, tranquille, elle zigouille le dragon. La deuxième épreuve, c'est résoudre l'énigme des sept sages. Et bah Péronie, facile, elle te résout l'énigme. Et la troisième, c'est d'aller chercher une mousse à raser pour le roi au pays des barbiers. Aussitôt dit, aussitôt fait, paf. Voilà, hop, c'est torché, Marion l'écrit la foule, ouais, super, elle est trop forte. Et là, le prince se réveille en disant, vous pourriez me demander si je suis d'accord. Ce qu'on peut comprendre. Alors, ça aurait été l'inverse, peut-être que la princesse, on ne lui aurait pas demandé son avis, cela dit. Mais bon, on devrait. En l'occurrence, lui, il dit, oui, alors c'est bon, moi, j'aurais bien donné mon avis et tout ça. Bon, Péronie, elle commence un peu à en avoir un peu ras-le-bol, parce que déjà, elle a zigouillé le dragon, les trois épreuves. Alors, ça va bien, ça la saoule, elle se casse. Donc, finalement, ils ne se marièrent pas, mais le roi avait sa mousse à raser, l'énigme des sept sages était résolue, et 12 îles bienheureuses avaient poussé dans l'océan, rapport que c'était le dragon qu'elle a zigouillé. Et ce qui n'était déjà pas si mal. Voilà, merci, au revoir, paf! Ce livre est extraordinaire.